Les bouleversantes confidences de Catherine Laborde sur la maladie qui l'affaiblit. En janvier 2017, Catherine Laborde, qui avait présenté la météo sur TF1 pendant 28 ans, quittait ses fonctions au sein de la chaîne. Elle est de retour ce dimanche 14 octobre dans l'émission 7 à 8 à l'occasion d'une interview au cours de laquelle elle témoigne avec plein d'émotion de sa maladie. En effet, il y a 4 ans, soit 2 ans avant d'arrêter la présentation météo, elle apprenait qu'elle était atteinte de la maladie de Parkinson, une maladie neurodégénérative toujours incurable à ce jour. Dans cette interview accordée à Stéphanie Davoigno pour 7 à 8, Catherine Laborde enrage de ne plus pouvoir réaliser certaines tâches qui lui tenaient à cœur. Je ne pouvais pas imaginer un jour ne plus faire de vélo. Dès que je monte sur un vélo, je n'ai plus le sens de l'orientation, le sens de l'équilibre. C'est une défaite, déplore-t-elle. Déjà autrice de plusieurs livres, Catherine Laborde a ressenti le besoin d'évoquer cet ennemi avec lequel elle cohabite par le biais de l'écriture, même si elle confie ne plus pouvoir écrire à la main. Quant à l'ordinateur, c'est un peu compliqué, confie-t-elle, au bout d'un moment, ça recommence à trembler. Catherine Laborde parle aussi de sa mémoire qui flanche bêtement, au point d'en oublier le titre de son livre Trembler, lors de l'interview. Ne pas savoir quel est le titre du livre, c'est quand même énorme / Vous êtes obligé de me le souffler pour que je le dise / C'est pénible, se désole-t-elle. Le reste de cet entretien sera diffusé ce dimanche dans 7 à 8 à partir de 19h15 sur TF1.